Rien qu'en France, aujourd'hui, c'est presque plus de 4 millions de joueurs annuels, pour 8 milliards d'euros. Comment ils se font de l'argent? Bien sûr, ils gagnent grâce à nos échecs. Ça arrive bien plus souvent de perdre que de gagner, entre les scénarios de matchs imprévisibles, des joueurs blessés et les incertitudes dans les championnats, tout est possible. Mais ils se font aussi une marge sur les cotes. Quand tu paries, tu as plusieurs choix, victoire, nul, défaite, chaque option comprend une valeur, qui peut aller de 1,01 à 100. Ça correspond en réalité au multiplicateur de ta mise de départ, par exemple si la victoire est cotée à 2, tu doubles ta somme. Le but est de faire les meilleures cotes, celles qui avantagent le site plutôt que le client. Si une équipe a 50% de chance de vaincre son adversaire, alors techniquement ce sera une cote à 2. Mais les sites gonflent ce chiffre pour en faire une marge. Ta cote à 2 qui ressemble à 50% de chance de réussite se trouve en réalité plutôt vers les 42 à 44%. Bien évidemment, ils ne te diront pas de combien est la marge, mais tu peux la calculer toi-même avec cette formule. En France, cette marge est réglementée par la NJ à 15% maximum. Mais attention tout de même aux sites non français qui peuvent prendre bien plus. Aussi, les bookmakers se doivent de faire équilibrer les cotes. Quand ils n'ont pas une quantité égale de paris d'un côté, ils ajustent pour essayer de faire parier les gens de l'autre côté. Ainsi, ça limite un trop gros nombre de gagnants ou de perdants qui maximisent les gains. Autre chose que les sites ne veulent pas que tu saches, comment sont faites les cotes? C'est le Graal, connaître la probabilité exacte qu'un pari soit gagnant, c'est la possibilité d'utiliser le site à notre avantage. Eh bien, ce sont des gens comme nous qui les font.